Sixième partie, une soirée sur Devil May Cry 5. Donc on s'est arrêté juste avant le boss. Vous tombez pile poil, on va tomber sur le boss. Donc j'avais fait une petite vidéo là, celle juste avant, qui durait 45 minutes, mais j'avais les yeux qui commençaient à piquer, donc j'ai fait une petite pause de 5 minutes. Et nous revoici, nous revoilà sur Devil May Cry. Bon ben, j'ai envie de dire, let's go. Et donc, pour info, je joue sur le mode difficile de Devil May Cry, en mode difficile. Oh, ok, ça marche. Et puis on... Et sur la route, j'ai ramassé un péteux. Et un lance-missile. Ah oui, tiens, j'ai. Il y avait ça. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se l'essaye ou quoi? Allez, aussi, charge. On va commencer le boss avec ça, on verra ce que ça donne. On va voir s'il est vraiment. Ah, je serre les dents. Oh, they're just gonna let me through. Boy, wouldn't that be the day. Bon, je pense que de toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. Quand ça pue le boss, hein. Quand tu vois une arène grande comme ça, bah t'as compris quoi. Is it Halloween already? Sparda, ouais. Sparda, en fait, c'est le nom de l'arme en fait que trimballe. Dante. Voilà. On va tenter le lance-roquette là pour voir ce qu'il a comme gueule. Oh putain. Ouf. Oh bah c'est pas folichon, hein, je vous le dis. Oh. Merde. Ah, de sa mère, hein. Pourquoi il se barre aussi loin, là? Thank you.
Wouah, bâtard. Ah, j'ai pas réussi, putain. Ah, c'est pas grave, on va le refaire. Il est chaud, hein. Il est chaud. Première défaite du jeu. Non, je dis des conneries, j'en ai déjà eu au tout début du jeu, parce que je savais pas jouer. Oh, franchement, le lance-missile, le temps qu'il charge. Après, je sais pas, il faut peut-être savoir jouer avec, j'en sais rien. Bon, on va peut-être passer à la cinématique. Ben, faut pas rester dans ses pattes, putain! Oh, puis cette caméra, quoi, c'est un enfer! Oh, sa mère. C'est bien. T'as bim. Ah, t'as perdu un bout de quelque chose.
Pardon. Pardon. Ah, j'ai trop mangé ce soir. Il est parti ou il l'a buté? J'ai pas vu. J'ai pas bien vu en fait. Dante, that demon is... Don't even think about it. Just rest. Dante! Ah bah il est mort. T'as, en fait il l'a achevé quoi. Dante, wait! Donc on a sauvé les deux gonzesses. Salut à toi, Luciano. What was that demon be? Where did it come from? Urizen is not a demon. I know that for a fact because I'm from the underworld. My God. What are you then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you. The story of my birth. Bah, je trouve que je me suis bien démerdé quand même sur le boss. En mode difficile, ça passe. À un moment donné, il a pas aimé la roquette, hein. Cavalière. Ça me fait pas triper moi cette moto. Moi, j'ai un collègue là qui joue aussi à Devil May Cry 5 DMC. Et il joue avec la moto. Et... J'aime pas forcément le skill qu'elle a. Je trouve ça trop lent en fait. Suffering defeat after defeat. Oh, une petite pause là parce que le boss il m'a bien secoué. Hein. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Dante. Il y a tout le monde qui connaît Dante dans le jeu. Ah, c'est pas un inconnu. Voilà. Harakiri. Donc là sur le portrait on voit ah c'est V parce que là sur la photo de famille on voit la mère de Dante et Dante tout petit et donc V ça serait son frère alors. Non ça veut rien dire en fait, j'ai des conneries, mais c'est qui V pour pourquoi il fait ça devant le tableau, c'est ça que je comprends pas, enfin j'ai pas lu les sous-titres hein. Ouais, c'est bizarre. I tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but... Donc lui s'est séparé de sa forme humaine et de sa forme démoniaque. In separating and regaining my human soul, I've realized
The gravity of the crime hit it. I realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. Thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you, right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. Pourquoi dis je suis pas ta mère, t'es un grand garçon, exactement comme elle avait dit la mère de Dante quand elle était petite et qu'elle s'est fait tuer. C'est spécial. Wow. En tout cas, la moto elle a de la gueule. Hein. Ça. Et les cinématiques aussi, ça cartonne. How's that for road rash? Je vous laisse remplir le constat. Donc apparemment il y a une nouvelle arme maintenant. Ok. La cavalière. Ça coûte cher. On va déjà améliorer tout ce qui a amélioré là. Ah, ça c'est le péteux, ça c'est le pompe, le peupon. Ok, ça c'est le lance-roquette 100%. Ok, trick trigger air kick, mustang air. Ouais, ça je m'en fous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à améliorer? Royal Guard. Non, j'utilise pas cette technique. Le double saut. Ouais. Ok. Bon. Ça c'est fait. Donc on a 3 péteux et 3 armes. Est-ce qu'on pourrait pas s'acheter un petit... Un petit brin, il en faut 3 ou il en faut 4? On va s'en acheter un. On verra bien. Ah ouais, ouais, ça augmente directement le... D'accord. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Et donc là, on joue avec, toujours avec Dante. Ça marche. Oh putain, c'est pas ça, c'est pas ça comme arme que je veux. Yeah.
J'ai pas compris comment j'ai fait le truc tout à l'heure là. Attends. Fais voir un peu. J'ai pas compris. Apparemment, c'était ça. J'ai pas compris. C'était une charge. Oh putain, je me suis trompé. Ok. Thank you.
Ah, j'ai mon oreille qui me gratte là. Ok. Bon, il y a un peu de tout ici. Blood in the gut. Guess that explains how the pools down there get filled. J'ai pas envie d'ouvrir le premier, on va d'abord ouvrir le deuxième pour voir. Ouais, je crois que ça changera pas grand chose, mais on va faire sûr. C'est quel coin? Ah, c'est par là qu'il faut y aller, donc par là-bas c'est fermé. Hey, quelque chose derrière hein. Direct, il y a un gros cœur qui est derrière le mur. C'est chelou. Ok. Je sais pas, là, je le sens pas. Oh oui, un ninja. Excellent. Je sais pas, mais je sens que lui, il va me faire chier.
Ah bâtard. Ah t'as un enculé. Bon, ça va, ça va pas traîner. Sais même pas d'où je viens. Ouais, je viens de là, il y a la camionnette. Hein. Ah ouais. Par là, donc on va aller faire un tour par ici. Putain. Passer. Il va falloir trouver un chemin annexe. Oh putain, je comprends plus rien. Je viens de là. Ok, le chemin il est là. Je suis monté là, il y avait rien, mais ici il y a ça. Oh putain, c'est où? D'accord. D'accord. Il y a un truc là. Ok. Donc il faut continuer par ici. Ah mais non, c'est pas par là. C'est par ici. Oh, ici ça pue la merde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Par là. Ok. Il y a des trucs cachés tout partout. Hein. Ça, c'est un truc de dingue. When in doubt, smack it.
Yep. Here comes the blood. Bizarre ça. C'est bizarre parce que lui je l'ai pas touché, il est déjà cramé quoi. C'est vraiment chelou. Je m'en doutais. Ah, j'ai mis ma garde. Putain, je t'ai sorti un A de justesse là. D'accord. Don't want to keep Mr. Demon King waiting. Gotta pick up the pace. Attends, non, c'est pas ça le chemin. Ouais, c'est là-bas. On va aller voir le truc qui m'inquiétait là tout à l'heure. Il est ici.
Ici. Ouais, c'est là. Ouais, c'est bizarre. Je l'ai pas pété. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en particulier? C'est bizarre cette torche. Ici, hein. Ouf. Non, c'est par là. Là, il y a du sang et en fait, s'il n'y en a pas. Tiens, on va faire un truc. Bon, non, ça sert strictement à rien. Ce que je viens de faire. Ok. Pas un truc caché, là. On sait qu'il y a du fight, mais on n'a pas envie d'y aller, mais il faut y aller quand même, quoi. C'est incroyable. Ah, les bâtards! Bah tu sais même plus d'où tu viens ici. Je viens de où? Je viens de là. Ok. Ok, il faut aller là. Il faut aller ici aussi. Yeah.
if I follow these grooves. Be all of them. It's been a while since I used my brain this much. Ouais, j'ai zappé quelque chose. T'as, tu passes dans un grand truc comme ça, il y a personne qui t'attend. Ok. Bah ouais, ça surprend pour une fois. Par contre là. J'ai toujours pas débloqué ce truc là en haut là. Putain, fais chier. Ah, c'est parce que ça, j'ai déjà tout fait là. Ah, ça m'enchante pas ça de laisser ça comme ça là. T'es sérieux? On dirait qu'il y a plein de trucs derrière. Bon, tant pis. Tant pis. C'est le chemin, hein, par là. Ouais, c'est chelou. Putain, je suis complètement paumé ici. Le truc bleu, normalement, il devrait être quelque part par là. Le chemin. Ouais, c'est fermé, ok. Bon, le chemin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Par où? Par là. Ah bah, ouais, tout droit. Allez, hop. Donc, on a tout ouvert, hein. Apparemment, on a tout ouvert. Mais ouais, c'est bizarre cette histoire.
This brings me back. Tu m'étonnes. Donc là, il y a un pentagramme, ok. Rester en l'air plus de 15 secondes. Comment tu veux faire? Bah montrez-moi hein, sinon parce que là... Bah, je veux bien hein. 15 secondes avec avec Dante, encore avec Nero, je veux bien. Mais Dante... Ouais mais tu veux faire comment? Ouais, en fait, il faut peut-être avoir le truc pour rebondir sur les ennemis, en fait. Ouais, je pense que je pourrais pas le faire, ça. Bah, en plus, j'ai pas de grimpage, j'ai rien. C'est pas... Non, c'est pas possible. Il est pas possible, celui-là. J'ai pas le double saut, j'ai pas le truc pour sauter au-dessus des têtes. Fais chier. Ah, c'est dommage, hein. Ouais, c'est par là qu'il faut aller, bien sûr. Et on vient de là. Kedak. Bon bah petite pause de stream et puis on se retrouve dans 5 minutes pour vivre la suite. Je pense qu'on sera au boss, enfin sur un boss quoi, je pense, parce que généralement quand il y a ça sent le boss. Allez, bisous, à tout de suite pour la suite du stream.